Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Simulator 2019 pour une nouvelle map. Elle ressemble à The Alp sur FS15. Bon, moi, je préfère The Alp, mais celle-ci, elle est super bien pour du forestier ou autre. La map, elle finit par Alp. Est-ce qu'il y a le nom? Il y a le nom. Allez, recule, recule. Hop. Non, il n'y a pas de nom. C'est Alp quelque chose, je ne sais plus, mais bon. Voilà. Alors, vous entendez plein de bruit. On va commencer par la maison. Voilà. Bridge off. Attends, je ne sais plus. Et après, on va faire un petit tour. Voilà. Pier off. Voilà. Alp, un truc comme ça. Mais je ne sais plus le nom de la map. Alors, on peut ouvrir dans la maison. Donc, après, vous... donc ici, vous avez les toilettes. Ici vous avez la cuisine, ici vous avez un petit local hein, pour ceux qui aiment bien boire de la bière, que là il y a à boire hein, si vous voulez. Voilà, il y a des fûts, voilà. Voilà. Ici vous avez une salle à manger. Si je veux passer, voilà. Et ça rejoint vers... alors j'ai déjà regardé cette map, hein, en facile, en difficile. Là je suis en difficile, donc là ça rejoint la cuisine. Est-ce qu'il y a un truc qui est bien? Parce que là aussi, je vous fais visiter vite fait la ferme, la maison. Il y a un escalier, vous pouvez mettre dedans. Bon, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Vous avez une première chambre. Voilà, une première chambre, tranquillou. Voilà. Ici... vous pouvez être dehors et là vous entendez plein de bruit d'extérieur. C'est très, c'est une map que je vous conseille. Peut-être que je ferai ma série dessus, je verrai. Et ici, alors ça ouvre aussi les fenêtres. Hein. Voilà, mais vous entendez plein de bruit, des bruits de moutons. Voilà. Et on va se faire un tour de la map. Alors, je check le véhicule des bases de base. Hein. Voilà, pour une fois reprendre le combien, le 500. Donc vous avez le 500 tracteur avec la benne Swordman. Vous avez le bruit de l'eau, c'est une map qui est super bien vallonné. En plus vous avez le petit godet, vous avez le Manitou, vous avez le semoir. Ici vous avez la benne. Alors je vous laisse les sons comme ça, donc si c'est trop fort, bah désolé hein. Vous avez la petite garante, je crois que j'ai jamais pris sur la FS19. Vous avez un petit cultivateur Orch, vous en avez plein de bruit, hein. Non c'est Orch. Non c'est un Polymag. Vous avez la faneuse. Vous avez la machine, la moissonneuse. Vous avez les pendeurs fumiers. La ferme tech. Et ici, vous avez la salle de traite. Voilà. Alors on entend le bruit de l'eau, c'est... voilà. J'espère que c'est pas trop fort pour vous, mais tant que vous m'entendez parler, c'est bon, et discuter. Wally Wallou. Donc peut-être qu'il y aura une série dessus, je vous en dis pas plus. Hein, et... peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vu. Donc voilà, il y a d'autres trucs, je vais vous montrer. Vous spawnez devant la porte. Ici vous avez... alors, ici vous avez... là-bas au fond... là-bas au fond, vous avez... alors, j'ai pas mis Speed Player. Là, voilà, vous avez aussi la tonne. Vous avez... merde, l'endener. Ici, vous avez les cochons. Donc, vous les achetez ici. Voilà. Voilà. Ici, non, c'est pas là. On achète les... chevaux. Voilà. Désolé. Ah, il y a même une charrue, j'avais même pas vu. Alors ici c'est quoi? Je m'en rappelle plus. Ah, c'est les vaches. Ici c'est les vaches. À mon avis. C'est ça, c'est les vaches. On va faire demi-tour. Ça fait beaucoup de bruit, hein. La cloche. Et les moutons, je vais vous montrer parce que le véhicule... ouf. Alors, il y a des tracteurs, mais après il faut les trouver. Chez où ils sont les tracteurs? Alors on va pas faire tout le trajet avec le tracteur, hein, je vous montre juste comme ça. Vous entendez, vous voyez les petits bruits. Il y a même je crois un avion qui passe.
Peut-être que vous l'entendrez. Alors j'ai pas mis mon fameux véhicule que j'aime bien. Oups. Alors il y a des collisions, il faut être pilote de Formule 1. Bah ouais, faut être pilote de Formule 1, un joueur. Alors à mon avis, voilà, vous avez un hélico. Voilà, vous avez un hélico qui passe. La map est fonctionnelle, alors j'ai pas regardé si elle est fonctionnelle. Ah merde, c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser moi le gearbox. Bon, si tu veux me laisser passer, ça serait cool. Alors, faut quand même de la puissance. D'accord. Ah, j'ai braqué comme ça. Voilà, ça passe. Alors, ça grimpe, hein, les gens. Donc, il faut quand même des bons tracteurs. Hein, parce que ça grimpe. Et ici, vous avez les moutons. Les moutons. Vous avez aussi Fanner aussi, j'ai oublié de vous dire. Et il y a un autre tracteur. Vous voyez, il y a des petites bêtes, des petites bêtes et tout. Et le champ est vallonné. Hein. Ah oui, mais oui. Mais qu'est-ce que je suis con. Mais on va passer par là. Est-ce qu'il y a de la collision? Ah bah oui. Collision. On va passer par là. Et vous voyez, c'est vallonné. Hein. C'est vallonné. Voilà, vous avez un deuxième tracteur. D'accord. Ici, vous avez le Fanner, comme je l'ai dit. Vous voyez, c'est très joli, c'est très décoratif. On a encore des bruits des animaux. On a le Fiat. Vous pouvez descendre ici, ressortir ici. Voilà, wali walou. Alors, les champs sont achetables. Alors là ils sont pas achetables parce que je suis en partant de zéro. Mais vous pouvez acheter les champs. Par contre ça coûte hyper cher d'acheter les champs. De base maintenant vous avez ce terrain là en facile, ce terrain là et ce terrain là, c'est tout. Parce que c'est pas mal hein, vous verrez, il y a beaucoup de choses. Vous avez très peu de champs par contre. Mais ils coûtent pas cher. Hein. Voilà. Après il y a des terrains, il y en a certains, voilà. Vous voyez les prix, voilà. C'est pas très très cher. Hein. Voilà, des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça. Là, il y a le fil là, voilà. Moi je ne veux pas l'acheter. Et c'est très bien, c'est très joli, c'est très détaillé. Bon. Est-ce que je tourne moi? Moi je tourne à 16-17, après c'est un peu trop détaillé. Donc là on a le BGA. Là vous entendez du bruit. Hein. Il y a un ou deux silos d'ensilage, voilà, vous avez la petite machine. Alors pour monter, c'est un petit peu complexe. Alors il y a des virages, il y a des... Pour le BGA, hein, c'est sur la route. Voilà, alors j'ai pas le speed player, hein. J'en suis une excuse, mais la vidéo, j'espère qu'elle va pas durer trop longue. Bim. Il y a des voitures qui s'arrivent, hein. Il y a des voitures, il y a des champs partout. Là aussi, il y a un champ, et je crois qu'il est achetable. Ah oui, mais si tu mets pas le truc, ouais, il est achetable. Donc voilà, vous avez des gens, des trucs comme ça, vous avez des petits chemins, vous avez des... Et les champs, on croit que c'est petit, mais c'est très moyenne taille, on va dire. Parce que, à mon avis, ça doit être drapeau, ouais. Il y a l'Italie, vous voyez, hein, vous voyez descendre de l'hélico. Voilà, je sais même pas si c'était sur le 13. Est-ce que ici on peut ouvrir? Oh, on peut ouvrir ici. Ah oui, c'est une sorte. Est-ce que j'ai vu qu'il y avait une caserne, il me semble, en haut? Je sais plus. Voilà, vous avez une coopérative en haut. Coopérative, vous avez des arrêts de car. Vous avez une station. Voilà, vous avez la petite coopérative. Alors mon ami, il faut monter en haut. Il me semble qu'il faut monter en haut. Parce qu'en fait, il faut aller au biogaz si vous voulez remonter. Il me semble, hein, il faut remonter ici. Vous voyez, il y a le moulin. Et il y a plein de bruit.
venir ici. Ici, vous pouvez. Après, il faut monter, je sais pas où. Je sais plus, hein, les gens, mais après, c'est à vous de trouver. Désolé. Voilà. C'est une petite route tranquillou. Et je crois que c'est ici qu'il faut monter. Et après, on monte jusqu'au stop. Donc, en fait, vous montez jusqu'ici. Et après, c'est à votre gauche, normalement. Normalement, c'est à votre gauche. Votre gauche. Jusqu'à. Voilà, vous avez plein de petits yoga, des trucs comme ça, des points de vente. À vous de la découvrir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, les routes sont pas affichées sur la carte, je trouve. Ouais, c'est ça. Et vous montez, vous montez, vous montez. C'est une bonne petite map, ça fait 11 minutes de vidéo, je regarde. Alors, on l'entend, hein. Il est où? Il doit faire le tour de la map. Ah, oui, vous avez des sangliers, vous avez des renards, vous avez. Moi, pour cette map, je noterais, allez, un petit 15 sur 20, mais faudrait qu'elle soit optimisée. Par contre, il faudrait des gros tracteurs. Hein. Donc voilà, après, vous continuez. Et vous arrivez en haut. Dans la map. Voilà. C'est vraiment des champs vallonnés. Voilà. Voilà. On va aller. Alors oui, ça charge. Allez. Comme ici, par exemple. Voilà. Ici, on a un point de vente. Il doit avoir la laine. De toute façon, il y a tout de base. J'ai pas vu. Mais voilà, vous avez pas mal de trucs. Hop, je vais zoomer. Le négociant en bétail, ici. Ici. Après, il faut choisir un enclos. Ça, c'est bien. Ça, c'est le truc que j'ai juste de découvrir. Bim, bim, bim. Là, vous avez d'autres points de vente. Voilà. Vous avez le petit magasin des familles. Alors, j'ai des petits coups de lag. Alors, est-ce que comme je filme, ça chute un petit peu? Normalement, voilà, vous avez la petite Siri ici, normalement. Ouais, bon. Il y a du bruit. Ici, ça va être quoi une série? Oui, il y avait des trucs. C'est bien détaillé. Hein. On a une petite benne. Vous pouvez ouvrir maintenant. Il est quelle heure? Il est 8. Alors, faut venir avec un véhicule, hein, tout seul. Et il y a des horaires. Voilà. Et normalement, si je dis pas de conneries, on arrive bientôt. Mais c'est une map très détaillée. Ceux qui aiment bien la campagne, voilà, ici vous avez le point de vente, voilà, vous avez pour la banque, le terminal. Vous avez ici pour vendre, acheter. Après, il faut trouver, mais moi je crois que je dois avoir les machins d'enlever, je crois. Les triggers. No money, no way. C'est très bien, c'est très détaillé, c'est une très belle map. Ah oui, il faut ouvrir. Donc ici, ouais, c'est très détaillé, hein, les broussailleuses, tondeuses, élagueuses, en sac, barbecue, comme il y en a certains qui disent barbecue. Vous avez tout ce qui est lampe, vous avez marteau, tout. Vous avez, c'est très bien détaillé. Hein. Là, voilà, ici, voilà, vous avez plein de choses, des bouteilles de gaz, des machins. Je félicite le mappeur, j'ai pas vu son nom, j'ai pas regardé son nom, voilà, vous avez des trucs. Et si vous pouvez ouvrir aussi, hein, j'avais pas fait gaffe, mais oui, on peut, voilà. Je suis trop gros, non. Voilà, et au passé, à mon avis, là-bas. Oui, non. Voilà. Et là, vous descendez là. Mais c'est très bien, en plus, c'est une très belle map. Oula, allez, je descends.
Voilà. Et là, vous avez l'atelier. Si je peux rentrer. Voilà. Et tout est ouvrable. Hein. Ça, c'est un grand atelier ici. Alors, ça se met. Ça s'ouvre vite, hein, par contre. Ah oui, sinon, pour voir aussi ici. Mais ça s'ouvre vite. Je vais refermer là-bas. Hein. Voilà. C'est une map qui est très bien, je vous la conseille. Après, il faut quand même de la puissance et des masses, hein, quand vous avez du matériel. Donc voilà. Ce que je vous montre, hein, je vais vous prendre l'exemple. J'ai aucun mode. Hein. J'ai fait vite, hein, parce que voilà. J'ai pas voulu mettre de mode, mais vous voyez, c'est très joli. Je suis sûr qu'on peut aller là-bas. On va aller voir le petit château, puis on va se quitter ici. Mais vous voyez, regardez, vous entendez du bruit. C'est comme si vous étiez chez vous, en train de pêcher ou en train de... Est-ce qu'il vient? J'ai croisé quelqu'un là. Hein? C'est du bois. Ah, j'ai cru que c'était quelqu'un. Sauf que j'ai croisé quelqu'un. Hein. Il y a des voitures. Ah, hop, merci. Hop, 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 hop. Alors, moi, je sais pas où. Alors, je suis là, voilà. Il y a plein de choses. C'est vraiment une très belle map. C'est vallonné, c'est étroit, il y a des routes étroites et sinueuses. Les champs sont vallonnés, c'est cool. Et ici, nous avons un petit château. Bon, niveau texture, on en parlera. Hein. C'est sûr, on en parlera. Mais c'est voilà. Bonjour, messieurs. Voilà. Allemagne, Suisse. Je fais un dédicace à tous ceux là sous les drapeaux. Je sais qu'il y a vert là, le vert, blanc, rouge. C'est l'Italie. Lui, ça doit être belge ou. Il me semble que c'est l'Allemagne belge. Et je sais que la petite croix, c'est la Suisse. C'est une petite Suisse. Et c'est très joli. Je vous la conseille. Je vous la conseille. Voilà, je vous la conseille. Cette map. Voilà. Voilà la belle vue. Voilà. Une très belle map vallonnée. Après, il faut avoir des véhicules, des tracteurs, il faut avoir du matériel adapté à cette map. Et plutôt, je vous conseille des véhicules moyens et des masses bien lourdes. Si vous avez des petits véhicules pour tracter les véhicules. Vous voyez ce qu'on avait tout à l'heure, le Fendt 500 avec la deux essieux, l'auto-chargeuse. J'ai voulu monter le chemin, donc le long de l'herbe. Et après j'étais dans l'herbe, j'étais coincé. J'ai réussi à m'en sortir comme ça, mais on a très peu de véhicules, c'est à vous de. Voilà. C'est une très belle map. Donc sur ce, on va se laisser là pour cette vidéo. Ça fait 18 minutes de vidéo. N'hésitez pas à liker, à disliker. N'hésitez pas à mettre un commentaire au sujet de cette map. N'hésitez pas à suivre tous les liens dans la description. N'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas à suivre aussi Discord et tout ce qu'il y a. Ok. Notez-moi cette map vu ce que vous avez vu. Et si vous avez déjà joué, si vous êtes en train de jouer dessus, vous avez déjà joué dessus. Ces points positifs, ces points négatifs, dites-moi dans les commentaires et notez-la. Parce que pour moi, c'est une très belle map. Peut-être que je ferai cette série dessus, mais il y en a encore une autre que j'ai vue qui est encore bien. Peut-être que je vous ferai une autre présentation si ça vous plaît. Bon, moi, sur ce, je vais vous laisser à la prochaine vidéo et je vous dis bye bye.